la Voie lactée. Tel un fantôme, elle n'est visible que dans l'obscurité de la nuit. La Voie lactée n'apparaît que les nuits sans lune. Ce n'est que par les nuits les plus obscures et les cieux les plus transparents que nous apercevons ces splendeurs galactiques. Voici la Voie lactée. Dans la Grèce antique, Aristote pensait qu'il s'agissait d'un anneau de feu alimenté par les vapeurs de la Terre. Démocrite y voyait une grande collection d'étoiles, si distantes qu'elles se confondaient entre elles. Démocrite avait raison. La Voie lactée est une galaxie. Un univers en lui-même, une famille de 200 milliards d'étoiles. Nous appartenons à cette famille. Notre Soleil est l'une de ces étoiles. Un point de lumière dans une nuée d'énergie et de brillance. Mais comme nous sommes à l'intérieur de cette galaxie, nous ne la voyons pas en entier. Pour en avoir une vue d'ensemble, nous devons observer une galaxie semblable parmi les milliards de galaxies qui peuplent l'univers. Les astronomes ont baptisé celle-ci NGC 891. C'est une galaxie située à plus de 40 millions d'années-lumière de nous. C'est un sosie parfait de la Voie lactée. Sous cet angle, nous découvrons son immense disque d'étoiles. Cette image satellite de la Voie lactée pourrait être son jumeau. C'est la vue partielle que nous avons de notre galaxie. Si nous pouvions nous échapper de notre disque galactique, nous pourrions voir la Voie lactée dans toute sa splendeur. La Voie lactée est composée d'étoiles et de nuages de poussière et de gaz sans cesse en mouvement. Ils sont animés par des forces gigantesques, la gravitation, les champs magnétiques et la fusion nucléaire. Voici les vraies couleurs de notre galaxie, le cosmos naturel. Grâce au radiotélescope, les astronomes pénètrent les nuages de poussière cosmique qui masquent une grande partie de la Voie lactée. En direction du centre galactique, en fausse couleur, ils ont repéré des vastes nuages de gaz d'hydrogène. Avec ce type d'informations, couplées aux images infrarouges comme celle-ci, les scientifiques peuvent mieux tracer une carte de la galaxie. Et en observant d'autres galaxies, ils imaginent la structure de la nôtre. À environ 25 millions d'années-lumière, voici M83. Comme la Voie lactée, c'est une galaxie spirale. Grâce à un ordinateur, nous voyons la Voie lactée en orbite autour de son centre. Des amas d'étoiles séniles tournent autour du disque galactique comme des abeilles autour d'une fleur. Dans un bras bleu de notre galaxie, à deux tiers du centre se trouve notre étoile. Le Soleil. C'est ici, dans ces banlieues galactiques, que naissent les astres. Ce nuage d'hydrogène dans un bras voisin est le berceau de futures étoiles. À l'intérieur du nuage, la matière se fait de plus en plus dense, la gravité augmente. Les températures s'élèvent, la fusion nucléaire s'enclenche
et une étoile naît. Une photographie de cette nursery stellaire. Les étoiles les plus âgées sont regroupées à l'extérieur du disque galactique. Ce sont des amas globulaires, chacun comptant jusqu'à 1 million d'étoiles. Les amas les plus vieux ont 12 milliards d'années, presque 3 fois l'âge du Soleil. L'un d'eux est un monstre, presque une galaxie à lui tout seul. Une maison de retraite pour 6 millions d'étoiles. Des milliards d'étoiles encore plus âgées forment une grosse boule orange au cœur de la Voie lactée. Plus loin, des étoiles plus jeunes apparaissent bleues. De la Terre, nous contemplons, le long du disque galactique, un groupe d'étoiles oranges au centre. Sur Terre, les instants propices à l'observation sont en hiver, dans l'hémisphère sud. Cette séquence en accéléré suit la course de la Voie lactée pendant toute une nuit. Comme le Soleil qui semble arpenter le ciel diurne, ça n'est pas la Voie lactée qui se déplace, mais notre planète qui tourne sur elle-même. En haut, sur la photo, le centre brillant de la galaxie en gros plan. Un bras galactique s'étend vers la droite. La Voie lactée est si grande qu'il faut 100 000 ans à la lumière pour la parcourir d'un bout à l'autre. Depuis 20 ans, cet homme a gardé l'œil rivé sur notre galaxie. David Malin est astronome et photographe à l'Observatoire anglo-australien de Nouvelle-Galles du Sud. Les objectifs de Malin sont de gigantesques télescopes. Voici son objectif grand angle. C'est le télescope anglais de Schmidt, avec une ouverture de plus d'1,20 m de diamètre, pointé sur la galaxie. Le télescope de Schmidt n'a pas d'oculaire. Il est dédié à l'observation électronique et photographique. Au lieu d'un film, l'appareil est muni d'une plaque de verre spécialement traitée de près d'1 m² de surface. Un autre instrument se charge des gros plans. Avec un miroir de presque 4 mètres de large, celui-ci est l'un des plus grands télescopes de l'hémisphère sud, le télescope anglo-australien de 3,90 m, perché sur les hauteurs australiennes. À travers des cieux limpides et purs, David Malin photographie les entrailles de la galaxie. Ce télescope est si grand que David Malin peut grimper à l'intérieur de son mécanisme. À bientôt, je reviens dans 3 heures. À l'intérieur même de la chambre photographique, comme un astronaute dans sa capsule, David Malin s'envole pour une nuit dans les étoiles. Il faut des heures pour prendre une seule photo. Chacune est une image composite de 3 prises de vue successives, l'une en vert, l'une en rouge et l'autre en bleu. David Malin place la première plaque et son voyage commence. Aujourd'hui, l'exposition est brève, seulement 3 heures. Mais si l'objet est lointain, 3 expositions de 8 heures chacune pendant 3 nuits successives seraient nécessaires.
Le photographe travaille en tournant le dos aux étoiles. Leur lumière est captée dans un immense miroir en dessous de la chambre. Elle est focalisée dans la chambre, puis impressionne la plaque photo. Pour suivre la cible avec précision, le télescope doit compenser la rotation de la Terre. Dans la chambre noire, le photographe combine les trois clichés colorés. Il doit faire appel à une technique de base pour obtenir le maximum de détails sur chaque exposition. Par un savant mélange, il réussit à produire une image riche d'informations. Comme si on voyait la galaxie avec des yeux des centaines de fois plus sensibles à la lumière et à la couleur. Car à l'œil nu, la galaxie est en noir et blanc. Les compositions de David Maline révèlent ces couleurs naturelles. Mais ce ne sont pas seulement de jolies images. Elles nous informent sur la nature des étoiles et leurs différences, l'évolution de la Voie lactée. Il y a une structure en croix à l'intérieur du télescope autour de laquelle la lumière est diffusée. David Maline est le plus grand photographe astronome. Ses livres et ses conférences offrent un double intérêt. Les astronomes amateurs qui ont admiré le ciel et tenté de le photographier veulent se perfectionner. Pour les professionnels préoccupés par des problèmes très spécifiques, il sait replacer leur sujet de travail dans un contexte précis. Voilà le genre de couleurs que vous verriez. Ce ne sont pas des couleurs artificielles, ce sont les vraies couleurs de la nature. David Maline, l'homme qui donne des couleurs aux étoiles. Ces photos de la galaxie ne racontent qu'une partie de leur histoire. Afin de voir au-delà des images optiques, les astronomes utilisent une batterie de télescopes et de vaisseaux spatiaux. Ils explorent d'autres longueurs d'onde. Ils détectent alors des nuages froids de poussière et de gaz, et des régions où naissent les étoiles. Si des planètes tournent en orbite autour de l'une d'entre elles, ces sondes spatiales les trouveront. Dans des longueurs d'onde comme l'infrarouge et l'ultraviolet, ils ont percé les nuages galactiques pour connaître la structure même de la Voie lactée. Impossible à obtenir avec des instruments optiques. Voici des vues, le long du plan galactique, vers le centre de notre système. Vue du dessus, voici une autre vision étonnante. La grande spirale de la Voie lactée, une carte obtenue en combinant plusieurs images. Ici, dans le domaine visible de la Terre, les photos de David Maline nous entraînent dans une nouvelle odyssée. Sa photo de la nébuleuse de l'Aigle, un nuage d'hydrogène rouge où les étoiles naissent, si lointaine que la lumière met 6000 ans à nous parvenir. Une autre nurserie, le centre de la nébuleuse Trifide, du gaz d'hydrogène et des traînées de poussière noire. Dans cette photo de David Maline, nous nous éloignons des nuages périphériques sombres pour découvrir la brillance de la nébuleuse Trifide. Ces étoiles ont chassé leurs nuages. Elles brillent comme des diamants sur un velours noir. Au contraire, il y a des nuages partout dans l'une des plus grandes régions où naissent les étoiles, large de 500 années-lumière. C'est la nébuleuse de la Carène. Nébuleuse veut dire nuage. À la même distance, à 8000 années-lumière,
des filaments de gaz naissent des vents stellaires soufflant des profondeurs d'une autre région de formation d'étoiles. Revenons à la carte et examinons un nuage avec en son centre un minuscule cœur pulsant. C'est la nébuleuse du crabe, débris d'une supernova. À l'intérieur tourne un pulsar d'à peine 16 km de diamètre. Sur cette animation, les restes d'une gigantesque étoile qui a explosé il y a environ un millier d'années. La nébuleuse de la Rosette, rayonnante de jeunesse. Au centre, à 4500 années-lumière, un nid de nouvelles étoiles brillantes. Mais il ne faut pas confondre de nouvelles étoiles avec des novas et des supernovas. Voici une nova à terme. Le champ de gravité de la petite étoile, très compacte, avale la matière de sa compagne. Et comme il arrive souvent, un moment d'indigestion, puis c'est l'explosion. Pour nos ancêtres, c'était une nouvelle étoile, une nova. Et ici, les restes d'une supernova. Voici les dentelles du Cygne, les entrailles d'une énorme étoile qui a explosé en 1000 morceaux il y a 60 000 ans. Mais la mort est créatrice. On pense que ces explosions gigantesques engendreront d'autres étoiles, des étoiles comme notre Soleil. Les supernovas ensemencent la galaxie. À 1800 années-lumière de nous, cette supergéante va bientôt exploser. Deneb brillera alors 60 000 fois plus que notre Soleil. À 4000 années-lumière, voici la vision d'un artiste. Un grand disque de matière entourant une supergéante et sa compagne plus petite. C'est Epsilon Auriga. Une fois tous les 27 ans, la plus grande étoile disparaît derrière le disque. Ces étoiles sont appelées variables. Un vol à travers la constellation d'Orion. À l'échelle de la galaxie, Orion est aussi proche de notre système solaire que le Canada des États-Unis. Notre vision d'Orion est aussi distincte parce qu'elle n'est limitée par aucun obstacle. Elle offre à David Malin l'occasion de superbes investigations scientifiques. Ici, le gaz d'hydrogène est rougi, chauffé par le rayonnement des jeunes étoiles brûlantes. Orion est un réservoir d'étoiles en gestation. En dessous, tandis qu'un panache de poussière noire s'élève au premier plan, un autre chef-d'œuvre de David Malin, la célèbre nébuleuse de la tête de cheval. L'art rejoint la science. Mais voici le cliché probablement le plus connu, M42, la grande nébuleuse d'Orion, également photographiée par David Malin. La Voie lactée vue de la Terre, depuis l'hémisphère nord. À l'intérieur, à peine discernable, une ligne verticale sombre. Aquiva Rift, la vallée de l'aigle. Ce n'est pas un vide, mais une bande de poussière opaque et grise,
distante de 1600 années-lumière. La voici, en haut à gauche de la carte. Cette région de la galaxie est très proche de nous. À moins de 400 années-lumière, voici la nébuleuse du sac à charbon. Ça n'est pas un trou dans l'espace, mais une nébuleuse obscure près de la constellation de la Croix du Sud. Un groupe de jeunes étoiles, les Pléiades, est situé à la même distance. Plus communément appelées les Sept Sœurs, elles éclairent une mince nébulosité. Entourée d'une épaisse nébuleuse, produit de sa propre évolution, l'étoile géante Antarès. Elle brille dans la constellation du Scorpion. Distant de 400 années-lumière, Antarès est un géant vieillissant, 300 fois plus gros que le Soleil. Cette étoile est si grosse que si elle explose, elle engendrera une supernova. Antarès pourrait devenir un trou noir. Chaque étoile proche serait avalée. Un trou noir est le piège ultime de la nature. Rien n'y survit. Cette étoile au centre est morte. C'est le cadavre d'une étoile géante qui, en explosant, a libéré un magnifique linceul, la nébuleuse Hélix. À 700 années-lumière, l'étoile centrale est presque deux fois plus éloignée que la nébuleuse. Nous regardons Polaris, une supergéante au nord de notre ciel. Nous nous sommes progressivement approchés de notre étoile, le Soleil, que nous pouvons distinguer des étoiles toutes proches. Le Soleil est une étoile ordinaire, un peu plus grand que la normale. Il faut 8 minutes et demie à sa lumière pour nous parvenir. Voici nos proches voisins, les triplés d'Alpha du Centaure. L'étoile rouge, Proxima, est la plus proche de toutes à 4,3 années-lumière de la Terre. Le système double Ursa Majoris. Deux étoiles si proches qu'elles échangent sans cesse de la matière. Les étoiles doubles et multiples ne sont pas des phénomènes rares. Mais voici une exception. Trois paires d'étoiles doubles, six étoiles en tout, en orbite, les unes autour des autres, à 45 années-lumière, la valse des étoiles de Castor. La plupart de nos voisins sont des systèmes binaires, comme Epsilon du Bouvier. Enfin, pour conclure cette visite, les étoiles de la Grande Ourse. En les traversant dans l'espace, on ne remarquerait aucun arrangement particulier. Mais vu de la Terre, elles forment le grand chariot, les étoiles les plus familières aux habitants de la Terre. Au-delà, notre galaxie contient 200 milliards d'autres étoiles qui nous sont révélées par la photographie astronomique.